Donc les fonds pour la soirée, il n'y a pas de fonds spéciaux. Il y a l'argent vite fait qu'on a fait à la donation quoi des dernières teufs et puis on réinvestit et ça tourne comme ça quoi. Autre question. Est-ce qu'il y a un engagement politique derrière ça? Non, pas du tout, c'est juste pour la musique quoi. Mais... Non, pas du tout, c'est juste pour la musique. Fuck la politique. Fuck la politique. Non, c'est ce qui dérange en plus parce que les gens aimeraient bien qu'il y ait une étiquette politique derrière, mais il n'y en a pas justement. Alors, et pourquoi c'est dans des lieux extérieurs? Pourquoi vous n'allez pas, vous n'essayez pas de mixer dans des boîtes, dans des clubs plus ouverts à tout le monde en fait? Les gens sont pas obligés d'aller. Ou moins ouverts à tout le monde finalement. Ouais. De par la petiteté des lieux, de par. Les femmes que ça à l'entrée. Puis on peut pas faire le bouchon comme en teuf en soirée quoi. Ouais, puis une salle ça coûte Vas-y, ça coûte quand même un investissement qu'on n'a pas et puis ça nous coûte vraiment moins cher de s'installer n'importe où que d'où une grosse salle où on pourrait mettre 5000 personnes et 5000 personnes c'est ça devient des grosses salles quoi. De plus les boîtes ne sont pas de nous donc puis il y a toute une histoire d'autorisation qu'on n'obtiendra jamais parce que pour faire une soirée dans une salle pour où on accueille 5000 personnes il y a un tas de pas de place à remplir il faut plein de trucs à voir il y a la scène, il y a la sécurité. Ça coûte des thunes et on n'a pas toutes ces thunes. Il faut savoir que rien qu'une salle sur Paris pour accueillir 2 à 3 000 personnes, c'est minimum 20 à 40 000 francs. Donc tout ça, nous, on a pas de thunes. 40 000 francs, c'est gentil. Ouais, bien sûr, je donne des prix de base, des prix minimum, et rien que ces 20 000 balles-là, on les a pas. Puis il y a tout un tas d'investissements derrière, il y a des locations pour les véhicules si on n'en a pas, il y a pour le manque de son qui nous manque, pour les amplis. Ouais, puis le son en plus en boîte est limité, relativement quoi, et ça c'est un petit peu ennuyeux. Tout un tas d'investissements à remplir, on peut pas, et voilà pourquoi en fait on fait des trucs en entrepôt, c'est parce que là ça... C'est plus ou moins délabré, donc ça appartient ou ça appartient à personne. Enfin, ça, à la limite, après, ça dépend. Et si on a le choix, on fait ou on fait pas. Mais en tout cas, c'est clair que si on fait ça, c'est juste aussi pour une histoire de pognon, c'est pas pour emmerder les gens, quoi. C'est surtout ça, quoi. We'll be right back.
friend of yours? We'll be right back.
investissement et ce serait pour fonds lancés, quoi. Ce serait pas sur donation. On est apolitique, mais bon, c'est quand même une politique de faire des trucs à moins gros. Ouais. Et dans un but de bénéfice ou sans le but de faire du bénéfice, de faire de l'argent, c'est bon, juste pour la musique C'est en autosuffisance, c'est fonctionne comme une association, c'est-à-dire que le peu de fonds qu'on gagne, on le réinvestit dans le son, dans les faux fragmas, on a des locations. Il y a des lives qui viennent, ils se font payer, du matériel à renouveler sans cesse, c'est pas dans le but de faire du fric, quoi. Et le fric qui est gagné et qui est pas énorme, il est injecté directement dans l'association. Question gênante, votre position par rapport aux drogues, quoi. Si vous avez un médecin aussi. Bonjour, moi j'en prends plus, mais c'est un peu paradoxal comme débat, c'est-à-dire que dans ces soirées-là, la drogue est présente et entre guillemets, peut-être un peu nécessaire à des émissions des gens, mais aussi même que l'alcool, les drogues, le shit et tout ça, mais en même temps, c'est vrai que dans certaines soirées, il y a beaucoup trop de drogue. C'est pour ça que nous, on travaille souvent avec les associations d'intervention, pour essayer que les gens ne fassent pas l'association techno égale drogue avec une free party, c'est pas juste un endroit pour défoncer, quoi, c'est pour s'amuser avant tout. Voilà. Mais il faut savoir qu'autour de ça, les mentalités changent, et, y compris au truc des rêveurs. Non, sérieux, enfin, c'est plus des rêveurs, quoi. Enfin, moi, je vais plus trop dans le sens des fêtes actuellement, quoi, des filles actuellement. Ouais. Ça m'intéresse pas parce que justement il y a une petite partie des gens, quoi, qui vont s'amuser à se défoncer bêtement, enfin sans réfléchir qu'il y a des choses derrière, je veux dire. C'est un travail, c'est une équipe, il y a des gens qui se cassent le cul à essayer de faire des soirées et puis c'est dangereux pour tout le monde en fait, hein, parce que ça peut être dangereux pour nous aussi parce que nous on peut nous accuser de faciliter l'usage des stupéfiants, quoi. Comme ça se voit moins. C'est-à-dire que les mecs en club, ils savent consommer de façon cachée. Il y a autant de coups que dans une soirée house, dans un club, que dans une soirée. Peut-être aussi que le fait des lieux. Ouais, ça laisse libre cours à chacun. Ça laisse libre cours à chacun et puis il y a souvent des excès. C'est des gens qui veulent se faire remarquer bêtement, quoi. Ils mesurent pas, les risques qu'il y a avec toutes ces conneries, quoi. Donc, hein, je m'apprends. Même dans les soirées rallye, les quartiers, c'est la drogue. Voilà. Moi, je dis, bon, bah, comme on dit, hein, c'est free et tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais bon, faudrait que je lance quand même un petit message, ce serait bien que tout le monde fasse un peu attention à ce qu'il fait, parce que bah c'est bien sûr, quand nous on organise une soirée, bah c'est forcément sur nous que ça retombe et voilà. C'est dommage, quoi, et bah, après bon bah chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi, c'est pas notre problème. Qu'est-ce que vous pensez de la répression, si vous avez un message pour ceux qui font la répression, et vous avez un dédicace à faire à cela, quoi. Bah, venez de nos soirées pour voir comment ça se passe, mais en civil, quoi. Ouais. L'histoire des paroles. Non, mais la répression, c'est face à la confrontation de préfets, de députés, parce que pour accéder à ces postes-là, il faut avoir entre 50 et 60 et 70 ans, donc ils sont déjà en décalage avec ça. Je sais pas, on revendique le droit à la fête, les gens ont le droit de faire la fête, bon. Après, c'est un débat, quoi. Alors, jamais de pour ni de contre à 100%. Donne-moi un micro, comment ça me fait. Oui. Que l'ambiance a évolué dans les teufs de nos jours. Non. Ah, elle se dégrade plutôt, oui. Elle se dégrade. C'est plus la teuf. C'est plus...
plus l'état d'esprit qu'il avait. Vu que c'est free, c'est ouvert à tout le monde vient, le mec il a pas envie d'aller dépenser des thunes, donc il vient, l'autre il se fait chier, même s'il aime pas forcément, bah, il vient parce que c'est gratuit, donc c'est ouvert à tout le monde, et ce mot gratuité, bah, tout le monde en a surprofité, il y a des excès de tous les côtés, c'est free quoi, allez hop, le mec il fait ce qu'il veut devant tout le monde, il fait n'importe quoi, l'autre il arrive à l'entrée, il veut même pas donner 2 balles pour entrer à la donation, enfin il y a de l'excès dans de tous les côtés, je pense. Alors que dans une boîte, on lui dira c'est 80 francs, il paierait. Ouais, le problème c'est que au fil des années, la vulgarisation des free parties a amené pas mal de débordements en tous sens. Et ça dénature un peu le trip initial qui était une bande de potes qui posent du son pour faire partager leur musique aux autres et puis que tout le monde s'amuse ensemble. On a de moins en moins de retours du public. Donc c'est pas des remerciements, mais enfin bon, là, c'est toujours plein de critiques, vous auriez dû faire ci, faire ça. De plus en plus individualiste aussi. Ouais. Les gens n'arrivent pas à se prendre en main, à s'organiser. C'est pas les. Je vais reprendre l'histoire des drogues, mais c'est jamais les sons en fait qui se font de la thune, et c'est pourtant toujours eux qui prennent sur la gueule, mais faut arrêter d'encourager des trafics faits par n'importe qui, quoi, et des gens qui sont là seulement pour ces choses-là, quoi, pour le trafic et pour rien d'autre. Et voilà. Bon, il y a quelques années, je sais pas, t'allais pas bien, il y a des gens qui s'occupaient de toi, qui avaient demandé « Ouais, ça va ou pas ?» Ouais. Bah, tu peux, on avait essayé de sortir un tract il y a 2 ans, pour essayer de faire passer ça un petit peu, mais ça a pas pris, quoi. Plus ça va, plus ça fait bien quand on se bat, quand on se fait taper, quand on est défoncé. Ouais, quand... Hein ? Ouais. Par exemple, à la teuf du 5, là, il y a eu des coups de feu tirés et c'est relou. Enfin, des faux coups de feu en plus, n'importe quoi, tout ça pour des ballons. C'est un truc qu'on a du mal à voir, quoi, en teuf, quoi. L'esprit de fête initiale a mal été transmis, pas dire au fil des générations parce qu'il n'y a pas énorme non plus, mais c'est que quand on va en free, c'est un peu la grande aventure, quoi. C'est pour ça qu'on s'habille en treillis, en tout ça, tu sais jamais si tu vas revenir chez toi le dimanche matin. Entre les keufs, les histoires, les machins, les trucs, voilà, quoi. Et ça prend une place tellement importante que finalement le côté musical est un peu oublié dans ces trucs là, quoi. Et je parlais de son tout à l'heure pour canaliser tout ça, il y a besoin de beaucoup de son, et c'est pour ça que moins les gens s'entendent, moins il y a d'embrouilles. C'est clair que avant, quand on organisait une soirée, c'était de passer un moment tous ensemble assez fort, donc effectivement se faire la fête, et que ce soit avec nous, entre nous et avec le public, et maintenant cette relation entre le public et nous, bah, il n'y en a plus, et ça c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est chaque soirée c'est free, pareil, quoi. C'est ouvert à tout le monde et à n'importe qui. C'est qu'il y a beaucoup trop de monde, et voilà, c'est devenu une industrie, c'est voilà. Il faudrait inventer une nouvelle musique pour qu'à nouveau on recommence doucement à faire des tests, mais voilà. Je crois que c'est tout. Et pourquoi la musique techno, justement, pourquoi la basse, et pourquoi pas le jour où tu me dis ce que c'est, pourquoi c'est, et pourquoi j'ai choisi la techno, j'avoue que ce sera... Je sais pas, moi je suis tombé amoureux un jour, un dimanche matin, voilà, par une teuf,
Moi justement parce qu'il y avait ce charme qu'il n'y a plus en soirée, bah parce que c'était pas comme les autres soirées, il y avait une ambiance qu'on retrouvait nulle part. C'était ce qu'il n'y a plus, quoi. C'est ce que on cherche, qu'on voudrait encore avoir, c'était la fête, dans un état d'esprit. À l'époque c'était très psychédélique, c'était pas comme ça, enfin, ce qu'on appelle, on pourrait dire, un mouvement hippie, quoi. Enfin, c'était pas le vrai mouvement hippie, rien à voir, mais c'était cool, quoi. Il n'y a pas toutes ces